Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet Tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. Tu sais que l'objectif étant les 100 000 abonnés, qu'on se rapproche de plus en plus vite. Donc n'hésitez pas de vous abonner pour du contenu sur les différents Call of Duty, pour du gros gameplay, pour de la news Call of Duty. N'hésite pas de t'abonner et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de like si le retour sur Call of Duty Black Ops 3 vous fait également plaisir. Aujourd'hui, on va se retrouver concernant une arme qui a été énormément up. J'en avais parlé concernant les potentielles nouvelles armes sur Call of Duty Black Ops 3 concernant justement les patchs de certaines armes et en l'occurrence l'ICR. J'en avais parlé, je crois qu'elle avait pris 5 ou 6 patchs up, justement, ce qui était un truc de jamais vu. En fait, j'ai jamais vu une arme prendre autant de patchs up à ce point-là parce que justement, c'est quand même assez incroyable que l'arme est devenue, mais vraiment, je vous dis, elle est vraiment devenue la Scarache de Call of Duty Black Ops 2 sur BO3. C'est une dinguerie. L'arme bouge très peu, elle fait un maximum de dégâts et elle est géniale. Franchement, elle est géniale, je joue beaucoup avec. Bon, je jouais déjà, on va dire, un peu à l'époque, un peu encore, mais elle n'était pas extraordinaire. C'est-à-dire que tu faisais un peu gaffe au niveau du gunfight et tout, etc. Et sinon, en hardcore, elle était juste géniale. Tu mettais un gros canon long au lieu d'un éventuel gros calibre, etc. Et elle était parfaite, elle était vraiment géniale et j'avais fait pas mal de kills avec et c'est une hommage parce que je surkiffais cette arme en hardcore, mais encore je la trouvais pas exceptionnelle à l'époque, franchement à l'époque je la trouvais pas exceptionnelle encore, etc. Et là je joue beaucoup encore avec et je la trouve mais vraiment magnifique les potes, donc vraiment je vous recommande de jouer avec l'ICR. Chacun a sa best class setup parce que c'est vrai que je vais pas commencer à vous dire faut jouer à Dixie, etc. Va falloir que vous trouviez votre best class setup sur Call of Duty Black Ops 3 avec cette classe ICR parce que il y a plusieurs moyens de la rendre super puissante, mais j'ai pas envie forcément de la vous dire tout de suite. Peut-être que j'attends un certain gameplay pour vous dire ma classe parce que j'ai peut-être un petit gameplay de réserve rien que pour vous faire plaisir, donc j'ai pas forcément envie de vous dire la classe tout de suite. Mais bon, je vais vous montrer un petit gameplay assez express que j'ai claqué lors de ma première game. Après quoi? Après un mois de jeu sans Black Ops 3. Ça, c'était ma première game au bout d'un mois de jeu sans avoir joué à Black Ops 3. Et je vais claquer une nucléaire vraiment sympathique en 3 minutes et tout extrêmement rush. Vous allez grave kiffer. C'était l'Octet Tout. N'hésite pas à défoncer cette barre de like. Plus de 1000 likes, ça serait juste énorme. Et je vous laisse avec le petit gameplay. Ciao, ciao tout le monde.